reparti, on est sur le deuxième jour. On a un match à faire dans 40 minutes. Et comme hier, on va monter petit à petit la température. D'accord ? Donc un maximum de concentration. L'entame de match de ce match est primordial. Physiquement, mentalement, les premières parties. Si on est les premières parties, on n'aura aucun problème. Et être présent au moment présent. Je suis là, je ne suis pas là-bas, là-bas, là-bas. Je suis sur le terrain à 9h20 pour le coup d'envoi. C'est vrai qu'on était ambitieuse, je me suis dit voilà, c'est un événement qui est tellement énorme, on ne savait pas vraiment où mettre le curseur, donc clairement le contrat est plus que rempli, c'est top, c'est mieux même que ce qu'on imaginait. On a une troisième journée à faire, c'est rare. Et vous êtes gagné, promis. Vraiment, vous êtes allé à chercher, c'est très bien, bravo, félicitations. Bravo les filles. Sinon ça, comment ça? La première mi-temps, elle est parfaite. On a tous les ballons, on récupère les coups d'envoi. Vraiment, on a géré notre match. Il fallait qu'on gagne avec beaucoup de marge pour pouvoir s'en sortir. On l'a fait, on sort premier de poule, donc c'est cool. On a fait le job, maintenant il y a encore beaucoup de choses à faire. Demain, on a trois matchs, donc on se tourne déjà vers demain et on verra ce que ça donnera. Ouais, quart de cup, c'est cool. C'était pas l'objectif, mais déjà, c'est une première tâche qui est remplie, on va dire. Donc là, on bascule sur un autre tournoi, on va prendre du plaisir, on va se régaler et on espère aller le plus loin possible. On a encore quelque chose à jouer demain. Pour aujourd'hui, le rugby, c'est fini. Par contre, le rugby de demain commence aujourd'hui. Ça veut dire que si on veut être performant demain, il faut commencer aujourd'hui à se donner les moyens d'hier. Pour exister demain, si on a joué aujourd'hui à ce niveau-là, que ce soit garçon ou fille, demain, si on veut exister, il faudra être là. Ici en direct de Dubaï. Donc on vient pour vous parler de la J2 avec les féminines et les masculins qui se sont qualifiés
un quart de cup demain matin. Et pour vous, en exclusivité, Jean-André Vernetier sur le plateau de Dubai Hotel. Hey, bonjour à tous. On a fracassé les Russes, les Brésiliens, les Mériconnes, tout, on a tout cassé. Quoi. Aujourd'hui, on se qualifie. Quoi. C'est super. Quoi. Voilà, quoi. Je crois que ça s'est vu quand même dans le jeu. Quoi. On a quand même produit de belles passes. On a essayé de faire la diagonale. Ça me dit, voilà quoi. Merci Monsieur Vernetier, on rallie l'antenne.